Silou Cuisine Academy, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une recette qui est super attendue, ça je le sais, et j'espère que vous allez la voir, vous allez la mettre sur vos tables pour les fêtes. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour mon foie gras végétal et cru, et je vous ai fait un petit bonus. Donc la partie foie gras est préenregistrée, on va dire traditionnelle avec la noix de cajou. Et après, en live, je vous fais une recette qui m'est venue cette nuit. Et ce ne sera pas avec la noix de cajou, mais ce sera quand même du foie gras. Allez, j'envoie le jingle, si je ne me trompe pas. Bloup, 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 bloup. Je ne sais plus parce que j'ai changé tous les trucs de mon clavier. Et voilà. Et donc, bah, je ne sais plus. Donc, ça doit être celui-là, le générique. C'est parti, on se retrouve dans 2 secondes. Ben voilà, j'ai été surprise, il y avait déjà tellement de commentaires, vous êtes déjà tellement nombreux connectés à cette chaîne, je vous en remercie. Je crois que vous prenez l'habitude de le mardi matin, mais il va falloir changer vos habitudes parce que à partir du mois de janvier, donc les lives seront le mardi aussi, mais à 18h. Alors, je sais que Mamie Lou est là, donc je regarde dans les commentaires, tout le son va bien, vous m'entendez bien? Voilà, oui, on retrouve Silou dans la joie et la bonne humeur, oui, toujours. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc après, vous verrez, j'ai plein de projets pour 2023. J'ai envie de partager des choses, voilà, pour vous redonner, j'allais dire, c'est peut-être un peu prétentieux, le goût de vivre, mais pas, enfin, le goût d'être joyeux, voilà, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, ben, on a peut-être un petit peu perdu notre joie de vivre. Et donc, je vous expliquerai comment se reconnecter. Comment se reconnecter à la source, mais à la vraie source, voilà, la vraie source d'énergie qui booste. Alors, aujourd'hui, donc, on va voir la recette. Mamilou me dit tout va bien, voilà, tout est nickel. Bon, alors, c'est parfait, le son est OK. Bon, nickel. Je crois que l'image aussi est pas mal. Et vous voyez, j'ai changé d'environnement. Je suis à Bordeaux pour quelques jours. Et donc, forcément, que ce matin, je flippais un petit peu. Je me suis dit, est-ce que mon internet va encore me faire des blagues? Mais non, je crois que tout comme vous sentez mon énergie à travers mes vidéos, eh bien, moi, je ressens aussi votre soutien au travers de vos commentaires et de toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc, ce matin, on va voir la recette de foie gras. Dans cette recette de foie gras, j'utilise des noix de cajou. Et alors, vous verrez après, je vais vous expliquer. Je vous fais une version de foie gras. Lorsque vous allez télécharger le PDF sous la vidéo, vous aurez une deuxième version de foie gras. C'est-à-dire que j'ai changé un petit peu, je vous expliquerai juste après la vidéo. Et puis, après la vidéo, je vous fais une troisième version de foie gras, cette fois sans noix de cajou. Parce que vous êtes hyper nombreux aussi à me dire, mais Silou, les noix de cajou, patati, patata, je suis allergique, parce qu'il se trouve que bah, maintenant, il y a des gens, à force de manger des noix de cajou, bah, il y a des personnes qui deviennent allergiques aux noix de cajou. Et ça, c'est toujours pareil, hein, dès qu'on est dans l'excès de quelque chose, eh bien, on en fait des overdoses, et puis voilà, et ça peut créer des réactions. Donc, vous allez voir aujourd'hui 3 versions. Ça, si je ne vous gâte pas, hein. Ensuite, je voulais vous annoncer également que je prépare un live avec mon ami Fabien Moine. Donc, on vous prépare un live, on espère pouvoir le programmer avant la fin de l'année. Et on va parler de ce dont on a parlé la semaine dernière parce qu'il y a eu énormément, énormément de retours, j'ai eu énormément de mails. Cette perte de cheveux en abondance et sur une longue période, en fait, vous êtes très nombreux à avoir percuté lorsque j'en ai parlé la semaine dernière. Donc j'ai appelé Fabien et puis j'ai dit voilà, voilà Fabien, je pense que c'est quelque chose qui doit se passer à une ampleur bien plus large que la perte de cheveux de Silou Cuisine Academy, avec tous les témoignages que j'ai eus et j'aimerais bien qu'on en parle. Et donc il m'a dit bah, écoute Silou, on se fixe une date et pas de problème, je viens en parler sur ta chaîne. Donc je pense que vous serez super content de voir Fabien vous expliquer. Vous donner en tout cas des pistes sur ces pertes de cheveux. Alors,
Trois recettes, waouh, c'est top. Merci. Nadia, qui est heureuse de nous voir. Eh bien, écoutez, je crois que on va pas attendre plus longtemps. Je vais lancer la vidéo de la recette de foie gras. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc, pour cette recette, je vais utiliser du beurre de cacao. C'est un peu la nuance qu'il y a, puisque c'est une recette donc, que j'ai extraite de ma formation, ma première formation que j'avais sortie, qui était un menu dégustation, un menu de fête. Et j'avais donc créé cette recette de foie gras il y a maintenant 6 ou 7 ans. Donc, dans cette recette, effectivement, eh bien, il y a des noix de cajou, du beurre de cacao, de l'huile de coco, il y a de l'eau de mer. Donc, je vous explique, hein, si vous n'avez pas d'eau de mer, ben, vous pouvez utiliser de l'eau et du sel et vous la salez à raison de 30%, c'est-à-dire 30 grammes de sel pour 1 litre et vous avez la même teneur en sel que l'eau de mer ou que le quinton, l'eau de quinton. Alors, je commence cette recette. Donc, cette recette, c'est pour faire deux petites terrines de 200 grammes. Donc, je vais ébouillanter mes petites terrines. Donc, j'ai fait bouillir de l'eau hein, dans ma bouilloire. Et puis, vous voyez, je verse dedans. Je vais sortir mes petits joints. Voilà, c'est quand même important lorsque vous faites des fermentations comme ça. Des fermentations, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais vous le dire. Lorsque vous faites des préparations comme ça, d'avoir des bocaux qui soient propres. Je ne vous demande pas de les stériliser. Vous ne les passez pas 1 heure au four à 200 degrés. Mais au moins, d'ébouillanter pour éliminer la possibilité de bactéries qui se développeraient. Donc, en attendant de faire ma préparation, je mets à fondre donc l'huile de coco, voilà, qui va se liquéfier. Et puis, je vais mettre dessus au bain-marie donc le beurre de cacao. Pourquoi j'ai rajouté du beurre de cacao dans cette version? Eh bien, tout simplement pour que la texture de mon foie gras soit plus ferme à la découpe. Et soit plus ferme en bouche. Et voilà, je pense que c'était important de rajouter du beurre de cacao à la recette initiale. Donc, ce n'est pas la peine si vous avez un blender puissant, c'est pas la peine de faire tremper les noix de cajou. Vous voyez, je les mets directement dans ma Twister Jar. Donc là, j'utilise le Blendtec. Donc, j'ai mis les noix de cajou, l'eau de quinton, j'ai mis la levure maltée. Et pour celles qui posent la question, la levure maltée et la levure de bière, c'est totalement différent. Mais là aussi, je vous réserve une vidéo spéciale sur les ingrédients un petit peu bizarres qu'on utilise en alimentation vivante. Et je vous expliquerai à quoi ça sert et pourquoi, par exemple, sur la levure maltée, des gens me disent, oui, mais c'est pas bon la levure. Écoutez, on en utilise tellement peu dans les recettes que je vois pas en quoi. Moi, je suis vraiment pas pour diaboliser les produits, à moins que ce soit des additifs vraiment voilà, mauvais pour la santé. Donc là, j'utilise du miso brun, donc du miso de riz non pasteurisé. Et vous verrez que je fais aussi une version. Donc lorsque vous allez télécharger la recette sous la vidéo, vous aurez une version avec du miso blanc. Donc j'ai fait deux versions de foie gras et je vais les déguster devant vous tout à l'heure. Je vais les découper devant vous tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette ultra rapide. Et on met tout dans le blender et donc la préparation est faite. Donc Sylvain, pardon, me demande, est-ce qu'on utilise de l'huile de coco désodorisée? Oui, tout à fait, de l'huile de coco désodorisée pour ne pas avoir une odeur prenante dans votre foie gras. Voilà, on ne cherche pas le goût de coco en fait dans le foie gras, on cherche la texture, l'huile de coco et le cacao en refroidissant vont raffermir votre préparation. Donc là, vous voyez, j'utilise de l'huile de truffe parce que moi, il y avait quelque chose d'important lorsque j'ai créé cette recette, c'est que je ne voulais pas mettre d'alcool dans ma recette. Mais il fallait retrouver ce petit goût un petit peu, parce que vous savez que dans le foie gras, on met souvent du cognac, ou voilà, on met un alcool un spiritueux dedans. Et donc, l'huile de truffe m'a permis de combler au niveau des gustatifs, donc cette carence, enfin, pas cette carence, mais cette absence d'alcool. Donc, je mets de l'huile de truffe, et dans cette huile de truffe,
s'est passé, mais je pense que vous l'avez vu, j'avais mis des gouttes d'huile essentielle, donc j'avais mis de la noix de muscade et des baies roses. Et là, vous allez pouvoir jouer avec les huiles essentielles. Dans l'autre version, j'ai fait noix de muscade, poivre noir. Et voilà, vous pouvez jouer également avec les épices. Dans la recette que vous voyez là, j'ai mis des épices de Noël. Dans la deuxième version, j'ai mis des quatre épices. Donc vous voyez, vous pouvez jouer dans les recettes, vous pouvez vous amuser. Une fois que vous avez compris comment on obtient les textures, comment on arrive à obtenir des saveurs aussi, eh bien vous allez pouvoir vous amuser pour créer vos propres recettes. Merci pour ce live toujours goûteux et joyeux. Merci Karine. Merci. Donc là, je remplis mes deux petites terrines. Vous voyez la quantité que je vous donne. Et cette fois, j'ai poussé. Hein. Normalement, vous voyez, je vous donne toujours j'exprime tout en tasses. Et là, pour les noix de cajou, je les ai même pesées. Et je crois que ça fait donc une tasse, un quart, un truc comme ça. Ça fait 180 ou 190 grammes pile de noix de cajou. Donc, pour ceux qui n'ont pas les tasses, ils auront le poids exact de noix de cajou. Mais je vous invite vraiment dans cette alimentation à vous équiper des tasses et des petites cuillères parce que c'est vraiment plus facile de s'exprimer en volume. Et donc, voyez, ça fait exactement la quantité pour les deux terrines. Et maintenant que j'ai rempli mes deux terrines, eh bien, je vais pousser le détail à mettre le petit gras, le petit filet de gras, normalement du gras d'oie. Donc là, je remets, vous voyez, il restait un tout petit peu d'huile de cacao, de beurre de cacao. J'ai remis un petit peu d'huile de coco, un petit peu d'huile de truffe parce qu'elle va colorer bien en jaune. Et puis voilà, je mets délicatement dessus ce petit filet. Et quand ça va refroidir, eh bien, ça va devenir comme la graisse d'oie. Et ça, voilà, et ça fait vraiment, franchement, à l'œil, ça bluffe. Nadia qui nous dit « super, sans alcool ». Alors, on me dit « peut-on mettre la muscade en épice et non en huile essentielle ?» Alors, le problème de la muscade en épice, alors je vais regarder parce que je crois que c'est bientôt la fin de la vidéo, oui, hop. Le problème de la noix de muscade en épice, c'est que ça peut donner, comme ce n'est pas cuit, ça peut donner de l'amertume à votre préparation. Donc vraiment, je préfère utiliser l'huile essentielle. Voilà, vous pensez à mettre la date dessus parce que ça, ce sont des préparations. Et c'est là le petit plus aussi de ma recette. Et ça, je vais vous raconter l'histoire. Hein. C'est un petit clin d'œil à Marie-Clémente. Donc, ce foie gras, on va le lacto-fermenter. Pour les tasses, on me dit, c'est quel volume? C'est un volume de 250 millilitres, normalement, les tasses. Allez, je reprends la main. Voilà, ça y est, vous avez vu la recette. Vous avez vu, c'est vraiment très, très rapide. Hein. Il faut à peine 10 minutes pour le faire. Et maintenant, eh bien, hop, regardez, j'ai mes deux bocaux de foie gras. Alors, je vais ouvrir avec vous, puis je regarde en même temps. Allez-y, hein, si vous avez des questions. Alors, regardez, je me suis pris deux petites cracottes parce que, en fait, j'avais pas de crackers de fait ici et j'en en ai pas fait. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, ici, donc, on a la version qui a été faite le 3 novembre. Ici, ça a été fait, oh, ça, ce sont mes notes, je vais les enlever, je les mets là. Ça, c'est le 3 novembre et ça, je l'ai fait quand on est arrivé, là, quand on est revenu. Alors, je vais vous montrer la texture. Voilà, je vous montre la texture. Regardez, je coupe. Regardez, alors, est-ce que ça va être net? Oui, c'est net. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est la préparation, celle-là pour la différencier. Vous voyez, j'ai mis du poivre moulu et puis j'ai mis une petite baie rose. C'était pour que je vois la différence parce que je n'avais pas noté le nom. Donc voilà, ça, c'est ce foie gras. Texture. Et ici, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo. Donc, il date du 3, il a un mois. Il a un mois. Et là, c'est pareil, la texture. Hop. Alors, est-ce qu'on voit... Hop, attendez, parce que ça fait avec le... Hop, il faut que je fasse comme ça, je pense. Voilà, vous voyez bien, voilà, le foie gras. Alors, la différence. La différence, vous voyez peut-être à la caméra. Voilà, je vais remettre sur le plan
comme ça. En fait, la différence entre les deux foies, je vous l'ai dit au niveau des épices, et dans un, j'ai utilisé du miso blanc, et dans l'autre, j'ai utilisé du miso brun, du miso de riz. J'ai fait ces deux versions pour voir la différence. Je les aime tous les deux. Le sel avec le miso blanc est, on va dire, plus douce, plus... C'est bon tous les deux, c'est un petit peu différent. Il y en a une qui est un peu plus forte que l'autre. En ce qui concerne les épices, j'ai adoré aussi avec les 4 épices. Alors, vous pouvez essayer avec aussi les 5 épices. J'ai envie de regoûter là devant vous. Donc, ça, c'est le... Ça, c'est la vidéo que vous avez vue. J'aurais dû goûter celui-là qui est moins fort en premier, mais... Franchement, j'adore les deux. Vous allez pouvoir tester les deux. Très belle consistance. Alors, on me dit, belle consistance, bien ferme, appétissant. Oui, oui, franchement, vous voyez, je vous montre là, ça tient bien. Ça tient bien dans la terrine. Et donc... Faut quand même que je finisse de vous raconter l'histoire de la lactofermentation. Donc il y a l'an dernier, sur une session de formation pro, Marie-Clémente arrive avec des bocaux de foie gras. Et puis donc on fait le repas, puis elle dit ah, ben, je vais vous faire goûter mon foie gras et tout. Alors on ouvre le foie gras, on fait les petits, on avait des petits crackers, on met sur les crackers et je goûte ce foie gras, puis je dis bon. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est bon, c'est quoi ta recette? Alors là, elle s'éclate de rire, elle me dit, mais Silou, si c'est ta recette. Je dis, ah bon, c'est ma recette, mais je trouvais qu'il était particulièrement bon. Elle me dit, ça fait 2 mois que je l'ai fait, ça fait 2 mois qu'il est dans le frigo. Et là, tout de suite, j'ai percuté, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est une lactofermentation. Donc, cette préparation, je vous invite à la faire, à la laisser 24 heures à température ambiante, après à la mettre au frigo. Et presque, j'allais dire, plus vous attendez, meilleur il va être. Vous pouvez le manger au bout de 48 heures. Il faut attendre vraiment que le gras qui est à l'intérieur se soit bien raffermi. Donc, 2-3 jours au frigo, c'est parfait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai avancé la date à laquelle je vous présente cette recette pour que vous puissiez en préparer pour les fêtes. Mais si vous en faites maintenant et que vous le mangez au mois de janvier, même début février, vous allez le trouver extra, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien ébouillanter vos bocaux parce que vous allez les conserver sur le long terme. Et donc, au frigo, ça ne bouge pas. Et donc, c'est une lactofermentation. Vous voyez, des fois, on fait des découvertes comme ça sur des choses qu'on a oubliées. Et là, typiquement, je ne sais pas si elle avait eu cette idée de le garder longtemps. Je crois qu'elle en avait fait un certain nombre et puis que c'était resté dans son frigo. Puis quand elle en a ouvert un pot, elle a goûté, elle a dit « mais c'est toujours bon ». Elle a dit « allez, je l'amène en stage et puis on goûtera ça ». Et là, je viens de voir effectivement aussi une différence. Donc sur ce bocal qui a été fait début novembre, que j'ai ouvert, je sens que les parfums ont évolué. Voilà, comme une lactofermentation. Donc, c'est pas fort, mais c'est voilà, y a une alchimie qui se fait que c'est absolument délicieux. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Très belle recette magique. Combien de temps avant de le consommer? Donc, je vous ai répondu, il faut au moins 24 à 48 heures. Après, le vrai foie gras de canard reste inimitable. Tout à fait, c'est inimitable. Mais je t'assure qu'on s'en rapproche quand même. Et je sais qu'il y a même, des personnes qui m'ont dit avoir bluffé des gens qui n'ont même pas percuté que c'était végétal. Donc, vous voyez, vraiment, la saveur en bouche se rapproche. Alors, bien sûr, c'est pas ça va être plus vers une mousse de foie gras hein, que le bloc où on sent les morceaux... on sent une fermeté lorsque c'est un bloc, mais lorsque c'est une mousse de foie gras, franchement, là, sur une mousse de foie gras, je vous donne ma main, vous ne faites pas la différence avec cette recette. Donc, pourquoi c'est une lacto? C'est par rapport au miso, tout à fait. Il y a du miso dedans. Un, il y a du miso pour la lacto. Un, il y a un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé aussi. Et puis, il y a le sel, donc l'eau de mer. Et tout ça fait que les bonnes bactéries vont pouvoir se développer et que ça va engendrer une lactofermentation. Alors, Marie-Christine qui dit « Je ne manquerai pas d'en préparer pour Noël et Nouvel An ». Super. Alors, on peut faire avec d'autres oléagineux. Alors, non. D'autres oléagineux, non, c'est pas aussi fin. Par contre, eh bien là, maintenant, on va faire en direct
une recette que je crée devant vous parce que je l'ai eue en tête dans la nuit. Et puis, je ne l'ai jamais faite. Donc, je vais la faire devant vous. Mais je sais que vous aimez bien les expériences. Et c'est pour vous montrer aussi comment je fais des créations. Voilà. Alors, quelle huile de truffe utilises-tu, STP, pour la trouver en magasin? Alors oui, l'huile de truffe, je l'ai posée là tout à l'heure. Elle est là. Moi, j'aime vraiment bien l'huile. J'ai toujours utilisé celle-ci, l'huile de chez Tartufi. Je trouve qu'elle est très parfumée. Je vais vous la mettre. Attendez. Hop, voilà. Regardez-la comme ceci. Voilà, voilà, là vous la voyez. Hop, attends, je vais enlever ton message. Clac. Voilà, donc c'est l'huile de chez Tartufi. Alors, c'est parti. Du coup, eh bien, je vais vous faire la recette que j'ai imaginée. Alors, attendez, je vais nettoyer mon couteau pour ne pas mettre de l'ancien foie gras dedans. Alors, on va faire ça avec des avocats. Donc, je me suis ramené voilà, des beaux avocats de Javea. Allez, je pense qu'il va en falloir deux. Je vais essayer de me faire pareil, deux. Oh là là, regardez-moi ces beaux avocats. Hop. Allez, toujours pareil. Et puis, je vais les peser, hein, comme ça, comme c'est une recette que je vous fais en direct. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu moins zoomé parce que je trouve que c'est un peu flou. Voilà, allez. On coupe. J'ai ma petite balance. Allez, vous prenez des notes. Hein. Allez, je tare. Et puis, je vais essayer de faire à peu près le même, comme il y avait 180 grammes pour de noix de cajou. Je vais essayer de mettre à peu près le même poids d'avocat. Hop. Et franchement, si vous voyez la balance, on ne peut pas faire mieux. Je suis pile à 190 grammes. Donc et ça, ça servira au repas de ce midi. Donc, je vais mettre ça là-dedans. Je le coupe quand même en petits bouts. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de le broyer trop longtemps. Allez. Alors là, ce que je vais varier, vous voyez par exemple pour les noix de cajou, j'ai dû mettre une demi-tasse de Quinton parce que les noix de cajou, il fallait les réhydrater. Mais là, comme la base de l'avocat, c'est déjà crémeux, je ne vais pas mettre une demi-tasse de cajou. Je vais mettre directement dedans, je ne sais pas pourquoi, je vois bien que c'est flou, voilà. Je vais mettre dedans je vais mettre une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je vais mettre, parce qu'il me faut quand même un peu de liquide, hein, donc je vais mettre en eau de Quinton, je vais mettre une petite cuillère à soupe. Je vais mettre le miso brun. Voilà, j'en prends. Vous voyez, je prends vraiment une cuillère à soupe rase. Voilà. Mets ça là-dedans. Je vais chercher. Donc j'ai mis à fondre derrière moi. J'ai mis à fondre le beurre de cacao. Donc je vais mettre. Je vous dis, regardez. Hop, je fais comme ça. Allez, on va mettre. 1, 2, 3, et donc la petite, voilà. Donc il y a 3 cuillères à soupe de beurre de cacao et une cuillère à café d'huile de coco. Voilà, je mets ça là-dedans. Ah, j'ai oublié de faire, vous savez que dans l'huile normalement, donc je vais mettre, ne bougez pas. Je vais le faire aux épices, aux 4 épices. Donc je mets 1/8. Je vais en mettre deux. Allez. Deux petites cuillères d'1/8. Voilà, des épices. Je vais mettre. Donc je vais blender ça. Déjà, je vais commencer par ça. Et puis on va voir. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas en face de moi. Quand je suis en face. Voilà. Si j'ai pas le couvercle, ça ne va pas le faire. Voilà le couvercle. Allez.
La bêtise. Regardez-moi ce que j'ai fait. Hop. Hop là. Alors maintenant, je vais mettre l'huile de truffe et puis les huiles essentielles. Alors déjà, je vais commencer à goûter ça pour voir ce que ça donne un petit peu. Mais je pense que ça va pouvoir le faire. Ça va pouvoir le faire. Oh là là, j'en mets partout. Allez, huile de truffe. Ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Hop, j'ouvre mes petites huiles essentielles et muscade. Allez, une cuillère à soupe. Je rajoute poivre noir. Alors, vous savez, c'est toujours délicat. Les huiles essentielles, ça tombe d'un seul coup. Une, deux, trois et quatre. Oula, il y en a même eu cinq. Allez, ici, muscade. Le poivre, c'est pas trop grave. La muscade, ça l'est plus. Allez, la muscade. Quand tu veux, la muscade. Attends, la muscade, elle ne veut pas venir. Oui, parce que j'en ai plus beaucoup. Une, deux, trois. Voilà. Allez, la muscade. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de mettre... j'avais pas besoin de mettre d'eau dedans. Je vous montre la texture. Voilà. Alors, je vais enlever ça pour que tout se mélange bien. Et hop, on repart un petit coup sur le blender. Mon Dieu, quand on n'est pas en face du truc, allez, hop. Voilà, ma préparation est prête. Je goûte. Je pense que... c'est pas mal aussi hein, comme truc. Hein. Alors, il n'y a qu'un truc qui fait bizarre, c'est que c'est vert. Alors, écoutez, regardez, je vais remplir mon pot. Je vais d'abord reboucher mes petites huiles essentielles parce qu'après, je risque de me tromper de bouchon. Je rebouche l'huile. Allez, hop. Et puis, je vais remplir un pot. Et ça, en fait, bah, je vous ferai une petite story parce que là, il va falloir le laisser prendre et on verra ce que je vous dirai ce que ça donne si ça s'est bien raffermi. Donc là, par contre, il n'y aura pas pour faire deux pots. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura pour faire deux pots. Vous savez que c'est pareil, hein, l'avocat, ça peut se lacto-fermenter aussi très bien. Oh là 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 là. Je suis contente parce que voilà, ça, je tape comme ça pour faire partir l'air. Je suis contente parce que je sais que ceux qui en ont marre des noix de cajou, eh ben, ils vont être contents d'avoir une recette. Et alors, si on ne l'appelle pas foie gras, on l'appellera tartinade. Hein. Et puis là, ben, ce que je peux faire, c'est effectivement ben, refaire fondre. Alors, là, je ne l'ai pas fait, mais je refais fondre un peu de foie gras, de beurre de cacao. Et puis, je le mets dessus. Donc là, je vais le fermer. Je vais le laisser à température ambiante pendant 24 heures aussi. Puis après, je le mettrai au frigo. Et ben vous savez quoi? On l'ouvrira la semaine prochaine. On l'ouvrira lors du live de la semaine. Ah non, je ne peux pas vous l'ouvrir en live la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce ne sera pas un direct parce que bah, je serai sur la route. Donc, c'est préenregistré. La semaine prochaine, vous allez avoir une recette de pain sans gluten, une recette de pain ultra facile à faire. Il n'y a pas besoin de faire de levain, il n'y a pas besoin de s'y prendre à l'avance. Et vous allez être surpris des ingrédients. C'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. J'ai mis sous la vidéo le nom de la personne qui avait posté cette recette.
Et quand j'ai lu les composants, je me suis dit, waouh, je me demande qu'est-ce que ça fait. Allez, je dis, je tente, je le fais. Et franchement, le pain était top. Et donc, il est à base de psyllium et il est cuit, hein, mais il est absolument extra. Et donc, je me suis dit que pour aller avec le foie gras, eh bien, ce serait parfait. Alors, je regarde si vous avez des petites questions. Sylvain nous demande si on trouve cette huile de truffe dans les magasins bio. Oui, tout à fait, tu la trouves dans les magasins bio. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve sur les magasins bio. Je vous ai même mis un lien sur le blog. Donc, sur mon blog, vous avez l'article associé à cette recette. Et puis, vous avez également la recette à télécharger. Donc, vous pouvez y aller directement sur le blog. Et donc, je vous ai mis en dessous. Vous pouvez la commander sur le web. Voilà, c'est la marque Tartuffy. Et vous pouvez faire ça avec... Donc là, c'est de la truffe blanche parce qu'il y a des huiles à la truffe noire. Et la truffe blanche est plus parfumée que la truffe noire. Voilà, sachez-le. Alors, le vrai foie gras d'animaux, ça fait au moins 5 ans que j'en ai plus mangé et ça ne me manque pas, ça ne me fait plus envie, surtout quand on sait ce qu'il y a derrière. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. J'ai vu autre recette avec le shiitake. Oui, moi, je n'ai pas essayé, j'ai jamais essayé avec les champignons, mais ça peut aussi... Vous savez, après, les versions, hein, vous pouvez vraiment vous amuser. À partir du moment où vous avez, je vous redis, à partir du moment où vous avez compris le principe pour avoir une texture, après, vous pouvez la parfumer et associer d'autres choses. L'idée, c'est de ne pas manger d'animaux. Oui, c'était flou. Bon, ça y est, maintenant, je crois que ça va. Merci de laisser les canards et les oies tranquilles. OK. Ah oui, eh ben c'est vrai, tout à fait, Nadia, j'ai pas mis la levure maltée dedans. Alors attends. Ben, vous voyez, c'est pour dire qu'elle n'est pas indispensable. Et ça, ça va pas être mal. Hein. Ah ouais, quand ça va avoir lacto-fermenté un petit peu, je pense, donc du coup, on l'ouvrira la semaine du réveillon. Puisque la semaine prochaine, c'est pas un vrai direct, hein, c'est une vidéo qui sera sur ma chaîne à 10h. Par contre, je serai dans le chat. Je serai dans le chat et si vous avez des questions, je peux communiquer avec vous. Enfin, quand je dis dans le chat, c'est pas dans le chat, c'est dans le... Vous pourrez poser des questions sous la vidéo, je serai pendant la diffusion, je serai là. Si je vais la diffuser en première, alors je vais la passer en première et comme ça, il y aura le chat sur le côté. Et le mardi d'après, eh bien, je l'amènerai à Ravea et on l'ouvrira. Honnêtement, je sens que c'est pas mal. Je sens que c'est pas mal, sauf que c'est vert. Voilà. Il y a peut-être un risque que la couleur change si on la garde. Alors, oui, exact. J'ai pas pensé à la couleur. Du coup, je vais quand même mettre l'huile dessus. Voilà, pour faire une opercule, hein. Un opercule, pour faire un opercule dessus, pour pas ça s'oxyde. Merci Mamilou, effectivement, il faut penser à faire ça. On dirait un dessert à la pistache, original comme couleur, oui. Je viens de m'inscrire pour la formation Combo Cuisine, mon repas de Noël sera uniquement cru. À quand un autre stage? Ah là là. Pour parler des stages, eh bien, je recase mes Cruzy Coach. Voilà, l'an prochain, il y a plein de choses, hein. Ça va bouger. Effectivement, je voudrais vraiment que ces Cruzy Coach soient plus connus, que vous sachiez qu'il existe. Donc, des Cruzy Coach que j'ai formés, qui sont venus ici se former, qui ont pour certains eu 5 mois, 8 mois de formation avec Cruzy Academy. Ils sont venus ici, ils ont suivi des stages pratiques, ils ont suivi des stages marketing, ils ont suivi des stages d'organisation. Et vraiment, le label Cruzy Coach vous garantit une qualité de stage. C'est comme si vous étiez avec moi. Comme je ne peux pas me démultiplier, je ne pouvais plus répondre à la demande des stages, ben, à l'époque où des personnes m'ont dit, mais Silou, il faut que tu formes des gens à ta méthode. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis maintenant. Je crois que je vais entamer ma 4e année. 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. Je vais entamer ma 4e année de formation de professionnel. Donc, vous avez forcément quelqu'un qui est passé entre mes mains à côté de chez vous et je vous invite vraiment à vous inscrire sur leur stage. Allez voir le site cruzycoach.com. D'ailleurs, je voulais faire un partage. La prochaine fois, il faut que j'y pense, je vous ferai un partage et je vous montrerai le site internet cruzycoach.com.
Alors, bonjour, voilà, tu arrives pour regarder les bananes. Alors, c'est pas Zoé sans gluten sur Instagram, elle a des super recettes. Non, je crois pas que ce soit Zoé. Allez voir, j'ai mis le nom, hein, j'ai mis son lien, voilà, pour dire, hein, c'est clair, c'est pas une recette à moi. Et donc, j'ai mis son nom dessous, et vous pouvez aller voir. Le beurre de cacao est-il vendu en magasin bio? Oui, tout à fait. Le beurre de cacao, alors est-ce que je l'ai rangé, mon beurre de cacao? Vous voyez, c'est la marque Rapunzel. C'est vendu dans les magasins bio. Et j'aime bien parce que c'est vendu par petits sachets comme ça de 100 grammes. Donc voilà, ce n'est pas des trop grosses quantités. Donc c'est bio et c'est vendu en magasin. Joël qui dit Thierry va être content, pas de levure. Oui, Thierry qui me taquinait pour la levure parce qu'il en mangeait aussi. Hein, mais comme il aimait bien taquiner sur pas mal de choses. Voilà. Comment devenir Cruzy Coach? Alors, comment devenir Cruzy Coach? Pour devenir Cruzy Coach, il faut avoir suivi une formation chez Cruising Academy. Alors, soit vous avez pu à l'époque du CPF ben, suivre une de mes formations qui s'appelait Propousse. D'ailleurs, Propousse va sortir de notre catalogue de formation. Il va y avoir pas mal de changements hein, pour l'an prochain au niveau des formations. Donc, il faut avoir ou suivi Propousse ou alors avoir suivi Combo Cuisine, justement. Il y a eu des promotions le mois dernier. Vous avez pu accéder à Combo Cuisine à moins 50%. Je vous annonce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pu bénéficier de la promo, soit parce qu'ils ont ouvert leur email trop tard, soit parce que sur le dernier jour, on a eu des problèmes effectivement sur notre bordereau de paiement. Donc je n'ai pas réouvert la possibilité de les acquérir à moins 50%, mais je vous annonce à l'avance que donc à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle offre. Ce ne sera pas du moins 50, mais ça sera intéressant et cette offre sera couplée à un tirage au sort. Et je vous annonce à l'avance que toutes les personnes qui auront souscrit ce mois-ci, donc avec ou sans promo, hein, comme ça il n'y a pas d'histoire, tous ceux qui auront souscrit ce mois-ci à Combo Cuisine ou à Pâtisser Cru comme les pros, eh bien pourront participer au tirage au sort pour gagner, attention, on ne se moque pas de vous, pour gagner un blender, un vacuum blender de chez Warm Cook. Voilà, donc c'est quand même un appareil, un bel appareil. Et il y aura même de l'eau, il y aura un extracteur Evo, je crois que ça vaut dans les 600 euros, et un blender, le vacuum blender. Donc voilà, il va y avoir de l'eau, et puis il y aura peut-être d'autres petits trucs, mais il faut que je garde quand même quelques surprises. Donc sur toutes les personnes qui souscriront enfin, pendant l'offre que je vous présenterai la semaine prochaine. Alors, pas de Cruzy Crush en Eure-et-Loir. Oh là là, après je ne connais pas par cœur, hein, mais après vous pouvez, peut-être que tu l'as pas chez toi, mais que tu l'as peut-être à 150 ou 200 km de chez toi. Tu vois, regardez. De toute façon, ça vaut le coup. Et vraiment, j'invite aussi mes Cruzy Coach sont formés pour faire des stages, comme je faisais moi, des stages qui durent des fois sur 2-3 jours. C'est génial. Vraiment, moi, j'étais vraiment axée sur ça, hein, sur la fin ma fin de carrière de cours de cuisine destinés au public. Je faisais que des cours sur 3 jours ou 4 jours, et même des fois sur une semaine. Et les gens adoraient parce que voilà, pendant une semaine, ils pouvaient tester matin, midi et soir. On faisait énormément, énormément de recettes. On faisait, je ne sais pas moi, 15, 20 recettes par jour. Et voilà, ça vous permet de toucher un petit peu à tout. Donc, je vous invite vraiment, voilà, à ne pas hésiter à investir dans des formations comme ça parce que ça vous met vraiment le pied à l'étrier. Quand on passe à la pratique comme ça, sur des stages pratiques, voilà, on rentre à la maison, on a vraiment envie de se mettre au cru, on a compris plein de petits détails, plein de petites astuces. Pour celles qui sont intéressées, chez Zamoub, il y a de la levure maltée sans gluten. Bravo, super de votre part. Bon, eh bien, écoutez. Oh, on a fait bien aujourd'hui, je suis contente. J'ai réussi à vous donner trois recettes. On a discuté, je vous ai répondu et on a fait un live de 39 minutes. Donc c'est cool. Et là maintenant, je vais ranger un petit peu la préparation, mon foie gras à l'aguacaté. Et puis, je vais me lancer dans le tournage de nouvelles vidéos, voilà, de nouvelles recettes pour le mois de janvier, février, mars. Voilà,
vous allez en avoir jusqu'à l'été prochain. Et donc, toutes ces vidéos seront disponibles sur ma chaîne YouTube gratuitement pour vous aider à mettre plus de cru au quotidien dans votre assiette. Allez, eh bien écoutez, sur ce, vous pouvez faire des petits coucous. Je vais vous passer le jingle de sortie. Regardez-le jusqu'au bout. Voilà, il y a des nanas qui dansent et je trouve que c'est bien aussi, même si je suis dans la cuisine, de mettre un peu le côté artistique, voilà, la danse. Et j'adore cette musique parce qu'elle est tonique, mais il y a des moments où elle ralentit et vous allez voir, je vous laisse regarder le jingle jusqu'à la fin. Et vous pouvez même vous lever et danser parce que moi, à chaque fois que j'entends cette musique, eh ben, je suis derrière et puis voilà, et je danse avec les nanas de la vidéo. Allez, je vous lance le jingle de sortie et puis en même temps, si vous avez des petits coucous et des petits messages, mettez-les et je les passe sur le jingle. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.